Salut tout le monde, ici c'est Gringo. Aujourd'hui je vais vous expliquer un petit peu comment prendre le bus ici à Kuala Lumpur avec l'entreprise GOKL City Bus. C'est des bus gratuits, donc écoutez comme d'hab, si vous kiffez la vidéo, lâchez un petit like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, partagez un max, c'est gratuit. Et si vous voulez suivre ma chaîne YouTube et mon aventure, il y a le lien PayPal dans la description à partir de 1€ les poutous. Donc voilà les poutous, moi je suis venu d'ici Pasar Sini pour voir ici. Voilà, c'est Pasar Sini, je suis venu jusqu'à Pavillon les poteaux, et là de Pavillon c'est la même station qu'on voyait comme ça, genre il y a plusieurs lignes les poteaux, il y a ligne rouge, bleue, violette, verte et tout, tu vois il y a plusieurs lignes, mais les bus sont les mêmes les poteaux, tous les bus sont de même couleur, il y a juste écrit tout simplement green line ou blue line, quelque chose comme ça. Donc comme vous voyez ici, moi je me suis arrêté à Pavillon les poteaux. Et de Pavillon, c'est la même station, malgré qu'ils vous font ça, genre violet, vert, bleu. C'est sur la même station, vous vous arrêtez. Il y a plusieurs lignes de bus qui passent. Donc les poteaux, moi de Pavillon, donc je suis venu jusqu'à Pavillon. Et de Pavillon, je vais prendre la ligne verte, les poteaux, pour aller jusqu'à KLCC. Donc là, je vais m'arrêter les poteaux et je vais vous prendre directement sur le bloc où je suis à Pavillon en train d'attendre le bus. Je vais prendre la ligne verte, les poteaux. Donc voilà les poteaux, le bus il est arrivé, voilà c'est les mêmes bus, c'est des bus violets mais il y a écrit Green Line, ou voilà Green Line comme vous pouvez voir ici, il y a écrit Green Line, malheureusement avec le smartphone vous n'arrivez pas à voir, hein. Green Line Bus, voilà, j'essaie de me rapprocher, voilà les bus c'est les mêmes mais ici il y a écrit Green Line, il y a un petit souci là, quand je le mets directement sur ça. Voilà, mais c'est Green Line, donc je prends celle-là. Et normalement, ça va m'amener jusqu'à KLCC. Donc les poteaux, voilà, à chaque fois, genre, il faut changer de bus, tout simplement. Mais l'avantage, bah, c'est gratos, tout simplement. Donc, les bus sont propres, nickel, on va faire la petite visite ensemble. Jusqu'à KLCC, les poteaux. Voilà les mecs, bah là j'ai pris le bus vers KLCC, normalement il va m'amener jusqu'à là-bas, donc gratos les poteaux, hein. Utilisez le bus gratuit en Malaisie pour voir ici. Donc voilà, c'est assez simple, il faut juste suivre la carte et connaître un petit peu les arrêts de bus. Donc les poteaux, voilà une petite vidéo normal live, vous montrer ici les choses ici, que ce soit en Thaïlande ou en Malaisie, comment se déplacer gratuitement en Malaisie. Ça offre beaucoup de possibilités, mais malheureusement, à chaque fois, il faut changer, c'est beau. Donc, si je partais avec le métro, ça aurait fait juste 4 stations, les poteaux. Mais là, c'est beaucoup, ça prend beaucoup plus de temps. Mais l'avantage, c'est que c'est gratuit, les poteaux, tout simplement. Donc, voilà les poteaux, je vais vous laisser ici. Nous, on va se revoir bientôt. À la prochaine.